Maintenant, nos échanges que nous avons avec les amis qui sont dans le podcast, les fanatiques, émission, qui sont en contact avec nous, qui sont dans le podcast, nous avons parlé de ce problème de pays. Puisque, dans le dernier jour, ça y est là, précisément pendant le week-end, il y a plusieurs gros dossiers, dossiers chauds qui ont dominé l'actualité. Et échangeant tellement intéressant que nous pourrons partager avec vous même sujet, hein? Nous pourrons partager avec vous même point d'actualité ça yo, et ou même tout pourrons profiter pour bay opinion sous dossier ça yo. Nous gagnons pendant week-end là dossier qui concernait ancien premier ministre Claude Joseph. Claude Joseph gagne information qui a circulé qui t'a fait quoi que États-Unis, département d'État américain, t'a coupé visal. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est distraction, c'est diversion? Est-ce que c'est diffamation qu'a fait sous réseau? Eh bien, ou pral connaît exactement qui ça bagaille l'an yé, puisque dans le dossier ça a gagné gros rebondissement là-dedans. Moi, Jean-Charles, leader petit parti politique, petit Dessalines, non? Eh bien, militant politique, parti, petit Dessalines, vini avec yon nouveau slogan. Nous connaissons à terre, gen mouvement Bwakale, objectif li, c'est chercher gang, bandit, kap terrorise population, nèg aksam, kap touye, kap kidnappe, kap simaye la terreur, la trouble en dedans société, hein. Eh bien, dans ça qui vient pour avec cause politique, eh bien, bagay la pour l'autre phase. C'est Bwakale politique, BKP. Eh bien, là, Moïse Jean-Chol, mon petit Dessalines, yo décide bal Bwakale. Puis, fonan yo a démissionné. Question pile moun a posé, est-ce que Moïse Jean-Chol mérite ça? Si oui, pour qui ça? Sinon, pour qui ça? En bas de chat live, là, profitez pour bailler opinion power. Non, jou kap gen pour venir là, yo, dossier haïtien, sur le plan national et même international, ou pral gen pour assister à gros rebondissement. Eh bien, gouvernement, administration Biden, non, yo, ouais, qui impact, qui conséquence, mouvement Bwakale, capoté. Yo wè ki dimension mouvement Bwakale apren, eh bien bagay sa mette gros inquiétude la kayo. Eh bien par rapport avec situation ça, administration Biden nan oblige presse prend de grandes décisions. Nan moment n'a parlé en lang, genye Denis Hankins qui c'est nouveau ambassadeur que administration Biden, non, que président Biden nommé, qui a gagné pour une prochaine en Haïti. Eh bien, président Biden nommé Denis Hankins comme nouveau ambassadeur en Haïti. Avant, il était ambassadeur dans le pays Mali, dans le pays Guinée, dans le pays Soudan, il était travail au Congo. Pendant ma cité dans le pays, ça y est, pour un petit temps, allez téléphoner, allez sur Google, tapez Congo. Et influence politique américaine, ou ap gade ça la baou, fait même genre pour Mali, fait même genre pour Guinée, et fait pendant Denis Hankins, t'es ambassadeur, t'es chef de mission dans le pays sa yo. Eh bien, nous pral gade ensemble, qui sa Haïti ka aton de nouveau ambassadeur sa, que administration Biden nan gen intention pour voyer en Haïti. Qui ça te passe dans le pays côté de Denis Hankins tap travail yo et qui ça nous ka attendre de Denis Hankins en Haïti? Puisque Denis Hankins li passe, li travaille dans différents pays qui juste dans le moment n'a parlé à la, gen instabilité politique, gen conflit, gen insécurité là-dedans yo. Bonjour, bonsoir tout le monde, comment nous y est? C'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous avec vous, pour nous porter émission pour l'an pour mon éditorial avec Yannick, ou sous TAC 509, tout haïtien connecté. Jeudi, c'est dimanche 21 mai 2023. Avant dernier dimanche, dans moi, et faut que moi dis nous tout, c'est la dernière ligne droite, nous sous dernière ligne droite là, pour nous arriver dans fête des meilleurs cap gagnés pour réaliser dimanche 28 mai prochain. Eh bien, mes amis, faut que moi dis nous, m'pas qu'à dire non pi près pour m'atteindre objectif moins,
28 mai k'ap gen pou vini la. Mais nous marché, l'âme ka di nous nan mitan, nous au milieu, nous nan mitan. Donc pour nous arriver à atteindre objectif là qui c'est arriver supporter sans femme, sans maman, fêter avec yo, permettre que 28 mai ça, li son journée spéciale, li son jour spécial pour sans femme ça yo, sans femme, sans madame Sarah, sans femme courage, sans femme jam, sans femme brave qui pas peur affronter la vie. Pour protéger choy nan kay, pour faire élévation ti moun, pour faire éducation ti moun, eh bien dimanche 28 mai c'est un occasion spécial pour nous montrer que yo important en tant que maman, en tant que femme, nous apprécier tout effort yo fait pour yo faire éducation nous comme ti moun, pour yo faire éducation nous comme petite. Ti moun jodi, grand moun demain, eh bien nous pas priver grand moun sans que nous pas joindre nos parents, ou maman, ou papa qui t'ai campé derrière nous, qui t'ai fait effort avec nous. Donc ou même qui veut supporter ou même qui voulait contribuer pour aider dimanche k'ap gen pour venir là pour aider que projet a li réaliser, m pa besoin kodou qui surprise qui pral gagner qui comment fait la pral fait m kite comme surprise dimanche si Dieu veut pour tout bagay, comment tout bagay réaliser. Mais pour le réaliser faut ou supporter, faut ou contribuer. Mais en pile chay pa lou, m ap tann support, m ap tann contribution, pas hésiter rele écrit dans numéro émission 3896 3819, moins là pour nous parler, moins là pour faire échange à voir sur comment nous arriver faire ça pour nous contribuer, pour permettre à ce que faites là li bien réaliser tout bagaille passé bien. Donc nous pral rentrer dans information parce que jodi an là nous pral partager en pile information. Bon, dans dossier 17 moto nous sonje ambassade de France te bay PNH, bon dossier ça qui gros rebondissement, ou pral saisi tande CDG la police, c'est PNH qui te mandé ambassadeur français qui te mandé pays la France moto ça yo, bon gazin oui. Avec autorité nous yon yon pa étonné, non? Yon pa étonné nous avec modèle moun sa yo, nous genye nan tête pays. Donc mette was la, nous prale bien, nous prale vite pour comprendre exactement qui sa bagay yo ye. Nous apprenons que hier, gen ancien premier ministre Claude Joseph qui ta soi-disant en difficulté par rapport avec voyage. Et bien gen scandale news hier qui te font tweet côté que m'pral li pou nous, on a regardé avec moi. Claude Joseph devait se rendre à New York aujourd'hui à bord d'un vol de JetBlue numéro 634, mais son embarquement a été refusé parce que le département d'État lui a coupé le visa. Une source nous informe que l'ancien PM est sous sanction américaine. Ça, c'est Scandal News qui partage l'information. Mais faut que nous, même médias Scandal News a gagné en semaine de cela, ça pourrait arriver sous deux semaines là, il te partagé des informations sur ancien premier ministre Claude Joseph. Dans ça qui vient pour ouais avec scandale qui te concerné diplomatie haïtienne là, Edmond Bouchit, Claude Joseph, côté que il te dit ancien premier ministre, il t'a détourné en 3 millions de dollars américains comme ça. Et bien après un petit temps, même scandale news ça, il t'a pral publié une note rectificative, une note d'excuse également, côté que il t'a pral dit et ancien PM non pas de détourner l'agence, on fausse information ou te bali, c'est un erreur monde qui te bali information te induit, etc. Hier, bizarrement, même scandale news ça, c'est lui même qui publie information ça sous ancien premier ministre Claude Joseph comme quoi et département d'État américain t'a coupé visa. Bon, pas même mettre comme supposition, li vini avec li noir sur blanc, yo coupé visa, etc. Mais question nous même n'a posé, parce que nous connaissons ancien premier ministre Claude Joseph, et il était professeur d'université aux États-Unis, il fait doctorat là, etc. Il vient professeur là pour enseigner. Kounye ya, là nous avons essayé de comprendre la situation. Hein? Parler de couper visa ancien premier ministre Claude Joseph, nous connaissons dans ce moment là question couper visa que les États-Unis, que le Canada, que l'empile le pays, c'est des sanctions. En Haïti, nous considérons couper visa comme une sanction. Pays qui couper visa moun nan, pays qui décide moun sa pas rentrer sous sol, li pas rentrer sous territoire là, son sanction au Bali. Même gens ouais yo couper visa et ancien sénateur Yuri La Tortue, yo couper visa et ancien premier ministre Jean Risseyan, en pile l'autre moun que États-Unis, Canada considéré qui participer dans financer gang, qui participer dans créer instabilité en Haïti. Gen ancien président là-dedans, etc. Mais comme
C'est analyse n'a fait comme c'est lumière n'a essayé mettre sous différents points d'opé points obscurs points noirs etc pour qu'a comprendre ça qu'a passé pour qu'a comprendre est-ce que c'est diffamation pour qu'a comprendre est-ce que c'est diversion pour qu'a comprendre est-ce que c'est tractation qu'a fait pour gagner au moins un minimum de bagage dans mon le on a parlé de un dossier pour qu'a bailler point de vue sur lui donc on est et Claude Joseph il était professeur d'université. Mais pour professeur d'université, dans un premier temps, par quoi c'est sous base visa. Vous comprenez? Ça qui arrive que Claude Joseph t'a une visa, mais à l'époque, le Claude Joseph t'a enseigné dans l'université, nous t'es qu'à considérer Claude Joseph comme un monde qui gagne résidence américaine normal. Pour qui ça? Parce que si on enseigne, soit enseigné, disons, mettez-le, et semestre, on enseigne pour un semestre. Un semestre, 6 mois. Mais pour entrer aux États-Unis, il y a une quantité de temps qu'a fait sous visa. Est-ce que y a un monde qui a fait 6 mois sous un visa sans que pas illégal? Maximum jour un monde qui a fait sous un visa, c'est 90 jours. Bon, tout dépend de qui paye, tout dépend de l'agent et immigration qui va déterminer combien de temps qu'a fait sous un visa. Donc là, premièrement, non premier temps hypothèse visa, si n'a pas remonté le temps, qu'a dit tout, que Claude Joseph, à un certain moment, il était qu'à détenteur d'une résidence américaine. Est-ce que Claude Joseph t'a toujours gagné une résidence américaine? Est-ce que Claude Joseph, au même titre, Jean ancien sénateur Steven Benoit, t'a gagné une résidence américaine, ni, et puis, la vie de sénateur en Haïti, etc., la vie d'entrer dans la question politique, il décide de lui remettre une résidence, il n'a pas besoin de résidence américaine encore, il remettre, il rete vivre dans le pays, etc. Est-ce que Claude Joseph lui te remettre résidence et qu'on y a la voyage sous visa, etc. Ça, c'est là pour question, c'est là pour tout débat à une fête. C'est là pour tout débat à une fête. Gros l'autre point qui est important. Est-ce que par le simple fait que ou pas monter en avion ou bien ou vol retardé, etc. ou pas qu'à voyager dans le jour, dans le moment, dans l'heure, est-ce que ça veut dire automatiquement yo coupé visa? Est-ce que ça veut dire automatiquement le fait que vous avez un avion pour prendre à 11h45 ou pas prendre à 11h45? Est-ce que ça veut dire pour autant vous coupé? Donc, ça pas suffit. Ça pas suffit le simple fait que vous n'avez pas bon vol. Ça pas suffit pour dire que visa en moun coupé. Bon, m'bral continue, oui, mais faut que moi dis non. M'kone haïtien, m'kone comment nous y. En pile, nous m'kone comment nous y. T'as là, entendez, Yannick, c'est défenseur Claude Joseph. T'as l'ordre de, oh, Yannick, te get en Cécile, te get en prend l'argent, défendre Claude Joseph, etc., etc. Je connais nous. Mais, moun qui connaît travail que m'a fait, hein, moun qui habitué avec émission, yon connaît nous même, nous pas n'envoyer monter. Nous là pour nous déplacer pion. Nous là pour nous rassembler information, collecter information dans l'idée pour comprendre, dans l'idée pour aider comprendre. Parce que nous là pour nous faire raisonnement, nous là pour nous faire analyse, bon genre raisonnement. Nous pas dans oui, vous monter, oui, on coupe visa et puis après demain, le Claude vini, l'Amérique arrive tout bagarre, ba information, dit non, pour retourner pour dire oh non, il y a pas de couper l'excuse, non. Nous là pour nous aider comprendre. Pas dit visa Claude Joseph coupé. Pas à diviser Claude Joseph, pas coupé. Nous là pour nous aider à comprendre, pour nous sortir dans un point A avant, pour nous arriver dans un point Z avec vous. Maintenant, Claude Joseph te gagné pour aller à New York. Est-ce que Claude Joseph lui arrive à New York? Est-ce que Claude Joseph pas arrive à New York? Est-ce que Claude Joseph lui en Haïti? Gagné média clin d'œil. Et clin de info, qui lui-même lui partage yon post. Li fait un tweet sous question et Claude Joseph là. Qui ça lui dit? Ton premier temps. Même clin d'œil, il te fait tout ça pour le bail ensemble des formations sous dossier Claude Joseph là. Alors qu'il devait se rendre à New York hier samedi 20 mai, l'ex-chancelier haïtien Claude Joseph n'a pas pu monter à bord du vol JetBlue. Et flight 0634, on ignore jusqu'à cette minute les principales raisons de ce refus d'embarquement. S'agit-il de sanctions américaines? Affaire à suivre. Là, au moins, ouais, son média qui, plus ou moins professionnel, qui posait des questions, qui questionnait, etc. Pour le connaître, est-ce que c'est sanctions américaines? Est-ce que c'est l'autre problème qui gagne, qui fait Claude Joseph pas à New York? Eh bien, rebondissement qui gagne dans le dossier Claude Joseph, là,
Eh bien, même journal, même média, ça, clin de info, li vini avec de nouvelles informations. Rebondissement, Claude Joseph est pour l'instant à New York. Son vol a été reculé. Il est arrivé à New York vers les 16 heures. Il n'a ni été sanctionné, ni empêché de pénétrer le sol américain. Il n'a pas pu monter à bord du vol qu'il avait en raison d'un changement d'heure. Donc, hier samedi, nous t'es qu'à constater sous tout réseau, son paquet voyait monter, son paquet d'informations qui a circulé. Moun yo qui a partagé information, yo pas prend temps, premièrement, pour yo analyser information, yo pas prend temps pour yo font petit raisonnement avec population, avec public là, pour aider moun yo comprendre. Yo pas prend temps pour yo ta même mettre information, yo pour la plupart, au conditionnel. Yo en y vini, yo lage bagay, yo vaille que vaille, et puis après, ou même, yo faut partager, après, yo même encore, yo pral tourner, yo pral douce, c'est pas vrai, et puis, ou même encore pral partager. Bon, pour qui ça moun n'a pas qu'à prendre petit temps? Pour le questionner, pour l'analyser, pour essayer d'aider le public, ou même qui a obtenu information, ou même qui a cherché information pour aider à comprendre ce qui a passé. Donc, c'est ça, en pile média, pas bon ici, qui fait, il n'y a pas de temps pour analyser, il n'y a pas de temps pour chercher information, pour partager avec le public. Là. Donc, là, m'espérer au moins, nous plus ou moins fixer par rapport avec le dossier Claude Joseph. Là. Et c'est sûr que et Claude Joseph ou bien parti aider à bien pour sortir des informations, notes sous ça, et sous ensemble de. Sous ensemble des formations qui ont circulé là, yo. Au moins, ça, ou même, ou a plus ou moins fixé par rapport avec le dossier ça. Mouvement Bois-Calais politique. Nous gagnons Moïse Jean-Charles depuis 18 mai passé à là. Capre frappe. Moïse Jean-Charles, Likochi, et bien militant, partisan, des séries de moun et qui ont même quitté fait Moïse Jean-Charles confiance, j'ai fermé là. Ils ont senti que Moïse Jean-Charles trahit yo. Par rapport avec faible rapport que Ariel a fait dans le cap haïtien. Et bien, depuis là, ça, nous avons des séries de militants, des séries de fanatiques zélés, supporters zélés, Moïse Jean-Charles, qui quitte bateau, qui l'a gagné pied. Yo quitte bateau, yo l'a gagné pied, yo allé. Et par rapport avec situation, ça, il y a un pile d'amis qui posent question. Est-ce que Moïse Jean-Charles, journée aujourd'hui là, li mérite pour le rester et sous scène politique là, na arène politique là, est-ce que peuple haïtien pas ta doué ballon leçon, est-ce que nous pas ta supposé tout profiter retirer Moïse Jean-Charles sous échec politique là, voyez le nom quoi etc. Eh bien, notre échange que matin on t'a gagné avec fanatique émission dans broadcast nous fait dans échange nous t'a gagné. Apprécier le fait que gagne moun qui prend temps yo qui prend sang yo pour yo analyser c'est pas on y courir parler mais c'est parler pour dire qui ça c'est parler pour comprendre qui ça c'est parler pour expliquer qui ça moi m'apprécie le fait que en tant qu'haïtien le nous montrer préoccupation nous gagne avec problème pays. Jounen jodi an nou gon Ariel nan te peyi an avec un paquet akolit li yo kap jere, kap gaspiller, kap dilapide. Yo mete nan tête yo yap jere, m pa konn ki sa yap jere la. Yo mete nan tête yo ap administre. Nou pa wè ki sa yap administre la. Au final nou ka di son groupe nèg ak fòm ki nan tête l'état kap vole l'argent, kap détourner, kap craser kes l'état. Eh bien, si pour un pile moun, si pour un pile fanatique zélé, sympathisant zélé avec Moïse Jean-Charles, Moïse Jean-Charles, li pat pran l'argent nan men pouvoir yèl la, Moïse Jean-Charles, li pat Moïse Jean-Charles, li bien réagi, li bien comporté par rapport avec fête drapeau à qui fête au cap haïtien 18 mai passé à là, eh bien, gen pilote, militant, partisan, sympathisant, qui te nan don Moïse Jean-Charles, qui t'a bataille Moïse Jean-Charles, qui te prend prison pour Moïse Jean-Charles, eh bien, yo même, yo comprennent bagay lan différemment, yo comprennent ni autrement. Par rapport avec situation ça, genye yon jeune garçon li même, qui a bail position sous dossier Moïse Jean-Charles. Est-ce que Moïse Jean-Charles li bien comporté? Est-ce que Moïse Jean-Charles li te prend l'argent? Est-ce que Moïse Jean-Charles pas te prend l'argent? Est-ce que Moïse Jean-Charles mérite pour le t'apprendre au bois calé politique? Eh bien, on prend le faut attendre exactement qui ça bagaille là. Mais nous-mêmes, nous gagnons point pas, nous gagnons analyse pas, nous prenons le faire sous dossier. N'a pas retourné après, en fin de temps pour gagner plus de détails.
C'est vrai, Moïse, son pas sérieux, son oulem debo, son abolotio politique. Cependant, nous pas d'accord, aucun nèg qui volait deux cabrites, qu'on est au pral vol, jour au nèg qui volait bœuf. Tout volait, c'est volait. Ça, c'est la presse qui construit un monstre parmi tout l'autre qui c'est Moïse. Moment par l'arrivée, n'a pas demandé un coup, mais n'a mis la presse pour nous déconstruire. Cependant, nous pas d'accord des mouns que pouvoir Ariel l'a acheté silencieux. Tant que Timothée Onio, qui a bataille, tout le monde te connaît, ouais, toute qualité mouvement, gaz mouté, moun ap mouri, massacre fait, ou pas jamais entendre, parce que yon en direction générale la police, a fait l'argent, quitte ti ça dans mes populations, nous pas besoin d'aide dans ça. Yon pas écoute, mais en l'autre côté, et nous même ça, n'a pas capable de faire. Moïse, pour ne pas venir, tant de yon pral, pour yon pral, pour faire conférence. Yon même tout, si yon pral dit Moïse, qui vient 3 millions, faut yon tout dit. Combien yo gen yo même qui va faire silence va y en parler et yo apprend gros voler pas pral critiquer ti voler ou bien ti voler pas pral critiquer gros voler l'autre bagaille c'est pas vle di nèg vive Haïti yo n'a dit nèg vive Haïti yo fermer bouche yo dans ça qui te peuple la déconstruire Moïse qui te peuple la bay Moïse bois calé politique yo point l'autre bagaille c'est Ebab qui sont militants politiques que nous tout connaissons. Qui toujours dans toute qualité bataille dans la rue que matin Moïse font attaque sur lui non seulement Bab c'est un proche m'a tout solidariser ma Bab mais tout l'autre monde qui était dans et petite de Saline que Moïse croit ou pas ta doué dans travail avant tout Bab pendant CAS pendant Ozmila que CAS Bab dans CAS bien longtemps et son droit gagner comme citoyen pour le travail même Jean Moïse gagne droit comme il gagne au rap pour porter 23 millions pour le mettre monde dans KEP pour le mettre moun nan ministère en cachette beauté pile l'argent et mais Bab comme citoyen il gagne droit pour le travail pour joindre ti monnaie par là tout donc pas gagne moun qui esclave Moïse et Moïse pas en affranchi son esclave domestique donc li pa ka croire qu'il capable gagne esclave à la disposition pour faire travail pour lui nous même nous croire que ça son on manque de gars lorsque Moïse comprend que c'est des moun qui utilisent Bab moun nan CAS pour dire que Moïse nan mauvaise affaire maintenant. Nous même nous quoi ça qui passe aujourd'hui a on satisfaction pour nous parce que ça t'a passé sous silence oui si mouvement politique débloqué Haïti le 15 pas sorti pour questionner silence la bolotio politique Moïse Jean-Charles les coquins né nous dit si au cap la fête Moïse pas dit rien c'est que petit d'ailleurs beau frère beau fils zanmi loin de sa ligne yo gen question pour répondre et de fait le 16, il devra le répondre, il devra le revendre. Et il dit que les papes font manifestation pour ne pas sanctionner. Ce que nous-mêmes nous féliciter. Parce que l'aile de manifestation, population, c'est diversion qui vient faire. Ça fait pas le vient régler. Donc, nous sommes bien contents que le pape la donne encore. Mais ce que Moïse a oublié, c'était premier sanctionné des États-Unis d'Amérique qui sont déportés. Oui, ils ont été venus. Donc, nous avons pas dit ou pas sanction. Maintenant, nous venons nous croire que Moïse doit dire tête li. Bluff là, il y a une limite, li, et il arrive dans la dernière limite. Li. Donc nous même nous pensons que la presse là doit bailler un coup de main pour nous courir derrière un monstre politique ça yo, moun kap krasé pays. Écoutez, Moïse, pendant qu'on a parlé là, ça a son prix même à Banou, permettez-moi de citer non. Moïse déjà gagné un moun, une femme qui sortit au CAI, qui pour le voyer dans CEP pour Ariel mettre pour lui. Moïse gagné un moun pour le mettre là pour lui comme et ministre. Et Moïse gon len kouize là et banque centrale mettait à la disposition et Moïse m'a konn nan ki domaine mais c'est consultant nan banque centrale ça veut dire que ça n'a vivre là yo grave ces gens de moun sa yo que nous même nous croyons que braka les politiques là doué rapidement m'capable di lancer de manière officielle pour yo pendant y a couru des gangs armés y a tué gang yo c'est très bien bah gang yo c'est criminel c'est terroriste y a tué moun mais quand y a des moun qui met des armes non mais ti messie ça yo qui viennent à terroriser population faut qu'on disposition que peuple a doué prendre pour yo tout nous même c'est là nous y braquer ya ou pas capable jodi ya ou vini ou faire cop toute façon ou marcher ramasser l'argent dans toute boîte l'état. Moun n'a volé dans la diplomatie, hein? L'a volé dans l'État, alors ce pas gagné qu'à privé. Eh bien, si justice n'a pas qu'à bailler un coup de main, la population a doué faire ça pour le faire pour nous capables de combattre cette guerre-là. Nous avons un peu de monde là, qui est salué, spécialement mon ami, commencer à démissionner dans la partie de Jean-Charles. Comment est-ce que vous avez démarché son nom? Eh bien, très bien. Il y a tant de cris, mouvement politique débloqué Haïti et allié. Et petit de Saline, l'effet que Moïse c'est numéro 1 et Moïse pas bon.
eh bien, nous demandons pour écraser bagay ça et nous faisons graduellement. C'est une après l'autre pour démissionner et après, côté pour démissionner en bloc pour bagay ça pas existe encore. Mais c'est grave. Lorsque Moïse Jean-Charles qui sortit dans petit coin, c'est pas discrimination, Milo. Moïse pas même rien dit tout, Moïse pense qu'il a joué à l'intelligence tout le monde. Passe moun nan bêtise et Moïse tripotaille en pile son nek qui resele ou capable faire ça ou dit d'ailleurs dîner en avril même j'avais nous pas capable mentir nous c'est des moun de caractère pas grand-rien non sous seyan fait tripotaille sous seyan qu'on y a autant de ou dit dou sou Gédéon te fait c'est nek qui fait jouette espion donc nous pense que Moïse c'est un bagaille qui grave si comme si moun ta essayer mettre Moïse au plus haut niveau de l'état comme président. Et d'ailleurs, de fait, ça va jamais arriver tout le monde. Et après, c'est à péter, le péter net, pas gagner construction pour Moïse. Pour qu'ils soient encouragés pour continuer à démissionner, alors que le DK sanctionner Moïse dans la partie, retirer dans la partie, tout au moins, et on l'autre monde d'abord, déchirer la partie. Écoutez, ouais, parti politique ici, pas une démocratie là-dedans. Mon autant de qui coordonnateur, il y a tout le bagage. Et d'ailleurs, pour qu'il n'y ait pas de parti dans le PL qui mettait nous en petit bagage, qui plus ou moins. Mais pour Moïse, c'est lui-même qui est chef, il est quoi de là la donne. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'il n'y a aucune décision, non, même parti qui prend le prendre. Il y a des sons bagailles et tout, il y a des qui prend le fait. Bon, c'est des partis qui te recevoir l'argent hein, pour tes financements des partis politiques. Avant l'élection, il y a des enquêtes, oui. Tu as prouvé sur ça. Il faut que tu aies une explication sur l'argent, ça, comment tu as utilisé, oui. Nous même pensons que pas de réparation. Parce que qui sont prêts à faire Moïse? Ou pas à faire Yavel? Son type qui gâte, c'est qu'on s'allie, c'est qu'on s'allopère. Écoutez, ils sont dans la Valas. Et la Valas, c'est qu'on s'allie opérer. Je dis, on a posé question tout. Côté ancien sénateur, député la Valas, côté Printemps Belize, côté Roger Milien, côté Manès Louis, côté l'autre élément, Sinal Bertrand, tout dans le pouvoir. Il a nagé, mais il a mis des militants dans la rue à Goumé, militants, ah, Babla, militants, petit Dessaline, militants, Laval, Aspabia, militants, PHTK. Alors que yo même au sommet, yo entendent yo. Nous même c'est ça. Nous demandons la presse, nous coûte pour nous déconstruire trois hypocrisies dans la politique. La faut que nous fassions politique dans l'autre gens. Et nous dit Moïse, mon cher, nous cherchons l'autre travail, il fait manger, saleté, fait par émission son coquin. Et monsieur blo un paquet de monde monsieur manque un paquet de monde des gars un paquet de monde qui quoi dans monsieur nous pas comme si il y a doute sur ça depuis monsieur son côté population envahie mais pas jamais connaît si son monde cap utiliser et n'a préparé nous gain des parce que pour prendre compétition nous va le mettre sur pied là et une série de monde qui participer dans craser pays là nous capable dire dans violence organiser manifestation violente. Moun mouri, moun handicapé, moun voyage, moun perdi business. Aujourd'hui, à ce bagage, best western. Là, André Michel avec et Moïse Jean-Charles Conté, oui, c'est eux-mêmes déwa qui qu'on a lancé gros mouvement, crasé, brisé, boule bagaille, moun perdi machine, moun perdi moto, moun perdi pied, moun perdi jeu, moun perdi petit yo, y'a assassiné moun. Nous gagnons des pétitions, nous pral signer, nous pas faire un titre individuel, mais gagnons des secteurs qui pral signer pour nous porter plainte pour Moïse Jean-Charles avec André Michel. Y'a une ex à vous faire payer trop mal. Je dis à ceux qui ont plus chômage dans le pays, ils sont responsables. Parce que leur gros tel t'a coupé sur le système dans Pétionville qui parle là. Écoutez, en 2019, c'est une manifestation violente qui l'a causé par là. Je dis à même penser que faut gagner des mesures qui prennent à partir de ça. Bon, là, nous sommes tendés et intervention, nous sommes tendés intervention, jeune militant ça. Quand il y a une question, je me pose au même. Est-ce qu'on est d'accord ou pas d'accord avec l'intervention là? Notre chat live là, bah, qui ton réponse, qui ton petit commentaire, si ou d'accord avec pour qui ça, ou pas d'accord avec pour qui ça. Parce que moi-même, j'ai une position pam. J'ai une position pam par rapport avec l'intervention là. J'ai une position pam par rapport avec le dossier Moïse Jean-Charles là. Ça, nous connaît depuis longtemps. N'avance, bien un échange que matin, on fait avec les amis yo. C'est pas tout le monde qui d'accord que ou passez son, parce que question politique en Haïti, moun yo peur béton, moun yo peur arène politique, là. C'est qu'on pas comme qui est qui est. Mais, vos amis qui te tiens que partager messager, passer messager pour lui. Et bon faut entendre lui, parce que, bois calé politique, là, j'ai l'impression moun yo prend très au sérieux. Bois calé qui vise acteur politique, yo, soit disant leader politique, yo, peuple a commencé pour bagay ça très au sérieux, en nous tendez qui ça a mis ça, lui-même, lui t'a dit sous dossier, moi, je suis là. Bois calé depuis longtemps, parce que moi-même, c'est Mabdou, ça, sincèrement, nous te font analyse sous Michel, nous te voyons ton titre national. 1.
Et m'tewa m'sieur son danger social. M'tewa m'sieur son piqué devant. M'tewa m'sieur la caille. M'sieur son bossal. Sincèrement, ça m'a m'doula là. Plusieurs monde qui relèm actuellement, kap di mon, Jimmy, mon cher, tout son dap di yo konnen son réalité, yo félicite m. C'est juste m'toujou toujours garder mon nan de façon concrète pour moi. Est-ce que la caille mon ça? Et que m'a jamais allé pour garder le mal de ces gens. Et me suivre li avant. Et à partir de là, m'te ouais, monsieur, pas qu'à représenter non comme leader. Monsieur pas un leader. Parce qu'on est, monsieur c'est un nanègue, probablement, nan analyse m'a été fait, c'est pour défaite la valasse. Et tant qu'on fait la valasse en dé, d'une façon, par exemple, on cap travaille pour un groupe bien organisé. Mais c'est contre la valasse. Et donc, nous avons suivi ça la caille, monsieur. Mais en pile, monde n'a pas de quoi réaliser parce que vous êtes trop fanatique. Moi-même, je n'ai pas bien ça la caille. Parce que depuis que vous avez un monde en dans la valasse, vous mettez le dehors, ce n'est pas pour sans raison. Ce n'est pas pour sans raison. Donc, monsieur, c'est Reine qui rivé pour peuple à te découvrir. Et non, dit merci, bon Dieu, comme ça, la vie. Parce que depuis que on a fait bonjour, on a privé, on a fini, Reine a fini. Ou bon, moi, si vous n'avez pas eu une chance pour te passer dans le bluff, l'autre bail là. Et donc, il y a beaucoup quand même bonjour. Et bien, monsieur, fini la suite, Reine. Hein? Et donc, monsieur mérite le boaka les politiques là, ça crée les BKPA, c'est pour commencer là sous monsieur et pour continuer. Non, pile l'autre nèg toujours. Est-ce qu'on moins? Non, pile l'autre monde. BKP, faut le continuer. De vous sortir dans BK, aller dans BKP. Et faut le continuer. Et monsieur mérite le. Chez un petit bluffeur, un petit mafia, un moins superlatif. Monsieur, moi-même, ça m'a réalisé la caille, monsieur, un bon bagaille. Bah, monsieur, son nèg qui fait un pile diversion. Bah, ouais, monsieur, tellement en danger social, ouais, dans la manifestation, c'est l'âme qui réalise, me fait analyse, monsieur. Les, moun yo pointe du doigt, pour y aller tel côté, monsieur courir, côté le sorti, il vient fond manifestation en deux, et il dit, oh, et ambassade américain, il crase mouvement. Monsieur son crase mouvement, c'est ça simplement de faire Bovili. Est-ce qu'on comprend? C'est un cap travail pour intérêt avec groupe et bien organisé. Et bien je dis à là et monsieur saisi, il pas connaître si bon Dieu existe. Bonjour, faut la nature à ville ou. Mais yo à ville monsieur clairement. Vagabond. On comprend? Vagabond, yo à ville monsieur. Elle en mère de Coltop. Est-ce qu'on m'a dit, il tourne un perroquet. Elle tourne madame Sarah, kap, pre, 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 toute journée, toute nuit. Rend monde sans souffle. On m'a elle dou, lisse l'idée, la comparer avec l'autre. Mascarade, la madiga mal masquée. Ben, voilà, nous sommes de et Jimmy, qui t'a baillé position sous Moïse Jean-Charles, sous BKP, Boakale politique là. Mais, amis, on dit, on va y attirer attention. Mes amis, on dit, depuis on met deux yon dans la valasse, et ou pas bon monde. En tout cas, débat pas sous la valasse. Mais si m'da fait débat sous la valasse, go, pas quatre questions, pas m'da pose des amis, hein, la valasse, on parle de bon monde. On nous avance. Et dossier politique en Haïti, dossier politique international qui concerne Haïti, eh bien, administration Biden nan, nan bon man a parlé à la, et gagné des décisions. Administration Biden nan, international nan, yo a mette pion yo, y a avancé pion yo, y a pe repositionné Haïti sous scène internationale là. Et bien entendu, nous connaissons ça gagné plus que 10 mois là depuis le gouvernement Ariel Henry, yo te voyon demande dans le Conseil de sécurité des Nations Unies côté que yo te mandé yon intervention militaire étranger. Et bien, juste dans le moment où on a parlé à là,
et demande ça li sous table Nations Unies sous table Conseil de sécurité pour que j'aime gagne aucune décision qui prend sous lui mais gagne avancé qu'a fait puisque gagne rencontre gagne réunion qui pour faire très prochainement là sous dossier intervention militaire là est-ce que il y a pour décision favorable ou défavorable dans dossier ça c'est la grande question mais nous connaît 19 mois après États-Unis te gen ambassadeur yo en Haïti m'a parlé nous de Michel Cizen depuis octobre 2021 li te ramasse petit paquet li aller li quitter Haïti allez Michel Cizen aller li quitter Haïti et eh bien Haïti te tout l'ouvri vers yon instabilité politique Haïti depuis après assassinat président Jovenel Moïse li l'ouvri vers yon insécurité qui incontrôlable et jouk nan moment ça là pouvoir Ariel Henry ministre et ministre intérieur que Ariel Henry ministre justice sécurité publique Emily Prophète qui dans tête ministère là et CSPN dans son ensemble et état major la police dans son ensemble yo poko jam karive jwenn meilleure formule là pour yo freiner question insécurité pour yo démanteler gang pour yo finir avec question grand banditisme cap ravager société cap brasser bill population haïtienne là et bien gagne un choix que l'administration Biden a fait, gagne un choix que le président américain Joe Biden fait là, côté que yo nommé yon nouveau ambassadeur en Haïti. Eh bien, Denis Hankins, qui c'est un ambassadeur d'expérience, avec 38 ans d'expérience, qui fait plusieurs pays déjà, qui était chef de mission adjoint dans le pays Soudan, qui était ambassadeur au Mali, qui était ambassadeur au Guinée, qui était chef et section politique au Congo, qui était travaille en Mauritanie, qui était travaille au Portugal, et qui lui-même tout, qui se conseille en politique étrangère dans le bureau garde national dans le Pentagone, etc. Eh et bien, il y a Denis Hankins qui passait de présentation par rapport avec l'expérience dans la diplomatie américaine, non? Par rapport avec le travail que lui réalise dans différents pays. Une des raisons qui te fait dans le commencement de l'émission, moi te dou, profitera le téléphone, tape des pays tant que Mali, tant que Soudan, tant que Congo, tant que Guinée, côté que Denis Hankins travaille, côté que l'Allemagne politique étrangère américaine dans le pays ça yo. Après passage Denis Hankins comme ambassadeur, comme chef de mission diplomatique, etc., qui ça nous joigne dans le pays ça yo qui change? Qui ça nous voit dans le pays ça yo qui change? Est-ce que je ne jodi en la stabilité? Est-ce que je ne jodi en gain sécurité? Est-ce que pas gagné question terroriste? Est-ce que pas une guerre qui guerre et seigneur de guerre qui fait affrontement, bataille, etc. Est-ce que y a stabilité? Moi central là, est-ce que pays ça y a stabilité? Des pays tant que Mali, des pays tant que Soudan, des pays tant que Guinée, est-ce que y a stabilité par rapport avec passage de Denis Hankins dans cette diplomatie américaine là? Je ne jodi une question en pile mon a posé. Nous connaissons un chargé de mission dans l'ambassade américaine, non, Eric Stromaer. Bon, qui parle créole, là, même avec un paquet haïtien, eh bien, Eric Stromaer parle créole là, très bientôt. Eh bien, qu'on y a, on parle voyer Denis Hankins, toutefois que le Sénat américain l'y ratifie, pour y'a voyer vine prend mission en Haïti, pour y'a voyer vini en Haïti pour vine travailler. Maintenant, un gros ami qui pose une question, et question ça, je vais le partager avec vous, peut-être ou même tout, ou à tout positionner, ou à tout qu'on est, ou à toujours une réponse. Qui est sa question? Il dit, bonjour, bon dimanche, madame Yannick, est-ce que un premier ministre a accepté l'accréditation et ambassadeur dans le pays? Aidez-moi à comprendre ça. Et bon, nous connaissons en Haïti dans ce moment-là, ces situations particulières. Est-ce que un premier ministre a recevoir accréditation, un ambassadeur étranger, un envoyé spécial, un chargé d'affaires, etc. Et constitutionnellement, c'est le président paysan qui s'en sert prérogative ça pour le nommer ambassadeur pour le voir et à représenter Haïti, comme ça tout pour recevoir les créances ambassadeurs, diplomates étrangers qui viennent travailler en Haïti. Mais depuis quelque temps là, nous connaissons en Haïti depuis après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons une situation d'exception. Une situation d'exception que nèg yo pas régularisé, que nèg yo pas travaillé pour régulariser parce que li fait bien ranger causé. Est-ce que premier ministre Ariel Henry
recevoir lettre créance et yon étranger, un diplomate étranger, etc., qui a gagné pour venir travailler en Haïti. Nous fait expérience avec Eric Stromae, qui rentre en Haïti, qui rentre dans fonction, qui prend fonction, li installé normalement. Qui est-ce qui te recevoir? C'est Premier ministre Ariel Henry. Bon, qu'on y a suite avec nomination ça que l'administration Biden a fait de Denis Yonkin ça. Une fois le ratifié qu'il a gagné pour venir rentrer, pour venir travailler, li évident, moun kap gagné pour recevoir l'aide de créance, c'est encore Ariel Henry. Mais qui ça qui a fait pour arriver régulariser situation ça? C'est faire élection pour un bon président élu qui pour retourner pays à la normale, qui pour retourner principe, d'une façon yon ta supposé yon, respect principe, respect constitution, respect la loi, etc. Mais dans ce moment-là, c'est situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle qui apprend par mon côté pouvoir Ariel Henry. Ce qui est sûr, ce qui est certain, c'est que l'administration Biden, non, pays États-Unis, dans ce moment-là, ils sont obligés de prendre disposition ça. Parce que le mouvement Wakale, il fait négo réfléchir à deux fois. Il fait négo poser un pile question. Pour qui ça? Parce que si préalablement, États-Unis, Canada, a sanctionné yon ensemble de politiciens en Haïti, yon ensemble d'hommes d'affaires en Haïti, yon estimé qui impliqué dans financer gang, dans financer bandits, dans bay bandits zam, dans bay bandits bal, dans bay bandits moyens financiers pour terroriser population en plus, pour créer plus de désordre dans le pays. Si depuis 24 avril, le peuple haïtien décide de prendre la rue, manchette, gasoline, allumette, yon cherche gang, yon cherche bandits. Yo commencé rive nan ti bandi yo commencé yo tanmen nan ti bandi yo, li évident que à n'importe qui moment nou ka passé à vitesse supérieure. À n'importe qui moment bagay la ka changer phase, koun yal commencé viser des séries de d'hommes politiques, de femmes politiques, des séries de nèg qui n'ont frotté avec bandi, qui n'ont participé nan créer ça nou gen la comme chaos en dedans pays. Donc sous base ça, au lieu que États-Unis chita kwaze bral lap gade sa ka fèt la. Li chita lap gade comment bagay yo ap déroulé la. Eric Stromae, c'est vrai, li son chargé de mission. Eric Stromae, qui nan tèt ambassade la, est-ce que réellement li genye mo pal pou li di par rapport avec sa ka fèt an de dan peyi an mouvement Boakale an bakwe? Parce que mouvement Boakale an li pa gen met politique, li pa gen leader politique la dan, li pa gen men politique la dan, c'est peuple la. Parce que si mouvement Boakale, li te gon Moïse Jean-Charles, li te gon Yuri Latortu, li te gon André Michel qui était dans tête li, li évident depuis 24 li te commencé 25 li t'a campé. Parce que automatiquement blanc t'a prélé, blanc t'a dit poser monsieur pour ne pas couper visane, pour ne pas faire ceci, pour ne pas faire cela, tout nèg t'a posé. Mais là c'est mouvement peuple, c'est peuple qui t'a initié mouvement, c'est peuple qui a géré mouvement li. Donc par rapport avec situation ça, yo pas qu'à contrôler mouvement, yo pas qu'à contrôler peuple. Eh bien, qui ça qui fait? Puisque nous, Ariel, li vin yo kap ayisyen, li vin fè diversion, li vin fè tractation, li ap divise moun yo pou li même pou le karenye pi bien, pou le kapase pi bien. Eh bien, par rapport à ça, c'est peut-être bon moment pour ambassade américaine, pour pays États-Unis, jouer l'autre pion rien, voyer en Haïti, etc., pour contrôler arène politique là, pour contrôler scène politique là. Mais bon, l'autre aspect qui est extrêmement important. Majorité nan zanmi yo, yo estime que yo di se job États-Unis ambassadeur a vin fait. Parce que nous connaissons déjà un ambassadeur li pa représente Haïti. Haïti, si Haïti voye ambassadeur aux États-Unis, ambassadeur a ge pou le fait job Haïti aux États-Unis. Si États-Unis voye ambassadeur, la France voye ambassadeur, le Canada voye ambassadeur en Haïti, yo respectivement yo pral rien pour faire job pays pa yo qui voye en Haïti. Donc ça, li évident, li courant. Yo pral mener politique étrangère pays, yo nan pays que yo vini. Alors qui ça nous ka attend de Denis Yonkin? Est-ce que c'est problème Haïti yo pral vin résoudre ou bien c'est politique américaine nan pral vin créer, pral vin conditionner terrain pour bagay yo aller plus bien, pour bagay yo aller dans sens opinion américaine nan, dans sens intérêt américain et dans sens intérêt américain. Donc moi même vlo clair, vlo comprendre ça qu'a fait journée jodi an là. Est-ce que problème nous fait commencer? Est-ce que problème nous pral stopper? Est-ce que nous pral une solution avec problème paysan? Li évident que problème haïtien, solution c'est haïtien pour chercher. Jean ouais nous commencer chercher solution avec problème gang, problème bandit. Donc faut nous commencer mettre tête nous sous épaule nous pour nous ouais problème politique là c'est nous pour résoudre li. Commencer retirer nèg ça pas utiliser une politique là, commencer ba yo canet.
Commencez à suspendre votre conscience, nous, votre nom, nous, pour que ça dure. Commencez à suspendre votre vote, nous, pour 1000 gouttes, pour 500 gouttes. Vous comprenez? Suspend choisir l'idée pour belle figue, pour belle discours, parce qu'elle grand pile moun kap marche derrière lui. Choisir un moun qui capote changement. Choisir un moun qui suscite nos confiance. Choisir un moun qui gagne moralité, qui gagne dignité, qui pas voler, qui pas chat. Donc, c'est ça. Et, n'a pas continué dans le dossier Haïti, parce que nous connaissons question sécurité, question politique, question des hommes politiques, etc. en Haïti, li marche de pair avec stabilité, marche de pair avec sécurité. On est qui gagne en tête li pour le président pays, il faut au moins li gon plan ka résoudre problème sécurité. Comme en Haïti, là, dans le moment, nous gagnons une arène politique, c'est chien manger, chien, c'est hing hang. Nous avons une arène politique côté que tout nèg, c'est poche yo wè. Et puisque c'est poche yo wè, yo conditionne terrain, yo conditionne pays, hein, pour yo bay gang bandi moyen, pour yo faire l'argent. Créer stabilité pendant que yo même, yo a fait l'argent. Créer insécurité pendant que yo même, yo a fait l'argent. Donc, ça vient mettre PNH tout uni. Nous avons une institution PNH qui a affaibli. Nous avons une institution PNH qui sous-financée parce que budget, majorité l'argent qui est dans le budget, il y a aller vers la présidence, il y a aller vers la primature, il y a aller côté que Negio a besoin de facilité pour détourner l'argent. Il y a aller dans la caisse assistance sociale côté Edwin Tonton avec et avec Timénage, soi-disant Ariel Henry, et il a créé conditions pour détourner l'argent. Rosemilan, petit frère. Donc, si nous avons PNH qui sous-financé, nous avons PNH qui sous-équipé, nous avons PNH qui pas bien qui répondre avec et qui pas assez équipement, assez moyen pour répondre avec engagement mission gain qui s'est sécurisé, protéger et servir population. Donc, c'est tout normal que je vous dis là résultat yo meg. Et bien dans ce sens ça dans jour qui s'est passé yo, t'es gagné un scandale l'obeil qui levé dans la coupe pays d'Haïti côté que ambassade de France il fait don 17 motos. Yo al remettre PNH 17 motos, yo trinqué champagne vidé, yo frappé verre, collé verre, etc. Et bien bagaille ça t'est levé plume sous don paquet haïtien. Li t'est levé plume sous don et en pile monde qui a réfléchi, en pile monde qui a pensé que véritablement c'est parce que haïtien dirigeant autorité nous yo pas gagné dans figuio qui fait arriver là. Et bien on va saisir tendez, on va saisir ouais que eh bien, et gagné ambassadeur français à Fabrice Moriès qui lui-même dans détail la bail il fait connaître PNH qui t'a demandé yo moto. C'est PNH qui t'a demandé yo moto. C'est pas seulement 17 motos yo t'a demandé, yo mandé yo plusieurs de ces petits motos. On va quitter nous avec une interview qui t'a réalisé avec Fabrice Moriès avec Amwendel Théodore sous métropole. On va gagner plus de détails non seulement sous don l'autre donc la France gagne pour le bail Haïti. Sou pat konnen tout map tout douli, yo te bail commissariat Port-au-Prince Delco, c'est premier don yo te bail yo. Ou pral gagne pour joindre des informations sur politique que la France vise pour Haïti, surtout pour PNH. Ou ap gagne plus de détails, ou ap fixer par rapport avec différents lot aides, différents lot don que PNH l'a gagné pour le recevoir. On nous garde ensemble. J'ai pensé à vous inviter, monsieur l'ambassadeur, c'est d'abord pour faire le point sur un certain nombre de sujets, d'actualités, mais en particulier, le dernier don de la PNH reçu de la France, les 17 motos. Les 17 motos. Vous étiez très présent, ou encore, l'ambassade de France était très populaire ces derniers temps sur réseaux sociaux. Je sais que ce don a suscité des commentaires et même parfois une petite polémique au sein des réseaux sociaux. Mais je dois vous dire que, cette polémique n'a pas beaucoup d'importance, mais je l'ai trouvée quand même un petit peu injuste, parce que, pour plusieurs raisons, et si vous me permettez de développer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai trouvé cette polémique un peu injuste, je le ferai volontiers. Je crois que, d'abord, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ce don à la demande de la PNH. Je crois qu'il faut le rappeler que c'est la PNH qui nous a demandé... Un don en moto. Absolument, c'est la PNH qui nous a demandé un don en moto, en auto, en automobile, en différents équipements, et c'est ce que nous allons faire toute cette année. Et donc ce que j'ai expliqué lorsque nous avons fait ce don, c'était que ce don faisait partie d'une première tranche, d'une série de dons que nous allions annoncer pendant toute l'année. Simplement, il se trouve que là, nous avons commencé non seulement par les motos, mais nous avons également commencé par l'inauguration d'une génératrice, au commissariat de Port-au-Prince, qui est situé sur le Champ de Mars. Pourquoi nous avons fait le don d'une génératrice? Tout simplement parce que le commissariat de Port-au-Prince n'a plus l'électricité d'EDH.
Et donc, je crois que c'est un petit peu compliqué pour les policiers de préparer leur mission sans avoir d'énergie, sans pouvoir communiquer, sans pouvoir avoir un commissariat en état de marche sur le plan énergétique. Mais est-ce qu'ils vous ont dit, au niveau de la PNH, est-ce qu'ils ont dit avoir besoin de 17 motos ou d'une dizaine de motos ? Non, ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Mmh. Ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Simplement, il se trouve que là, nous devons faire des arbitrages au sein d'un certain nombre d'équipements qu'ils nous ont demandés. Il y avait un don de 17 motos qui était immédiatement disponible, nous avons fait ce don. Moi, je vois pas. Alors, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, c'est que les critiques vont dans le sens que c'est un peu, je dirais, faible comme don, c'est moins de 20 000 dollars, ce qu'un particulier, par exemple, pour un particulier riche, un homme d'affaires haïtien pourrait faire ce don. Mais malheureusement, à la PNH. Oui, mais attendez, je crois qu'il ne faut pas mélanger, les choses. La police haïtienne, elle est financée non pas par les particuliers riches, elle est financée par l'impôt. Mmh. Elle est financée par l'impôt que doivent payer tous les Haïtiens. Le problème fondamental de la police haïtienne, c'est qu'elle est sous-financée. Elle est sous-financée et donc elle est sous-équipée et elle est sous-dotée en ressources humaines et en ressources matérielles. Si vous regardez les statistiques internationales, vous constaterez que la police haïtienne présente la particularité d'être parmi les plus sous-dotées au monde. Mmh. Et je ne parle pas de comparaison avec des pays développés comme la France, comme l'Europe, comme les États-Unis. Mmh. Je parle de comparaison avec les pays voisins de Haïti, avec la République dominicaine, avec la Jamaïque. Moi, je vous invite à regarder les chiffres, j'invite tous les auditeurs à regarder les chiffres et de méditer ces chiffres et ensuite de réfléchir à la raison pour laquelle nous donnons des motos, mmh. ou nous donnons des automobiles, ou nous donnons des véhicules, mmh. ou nous donnons des génératrices, ou nous donnons aussi d'autres équipements sur lesquels je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui sont aussi secrètes. Oui, mais on va y arriver de toute façon, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que ces motos répondent aux normes ? Est-ce que ces motos-là... Ces motos répondent aux normes qui nous ont été demandées par la police nationale haïtienne. Oh, très bien. Donc okay. c'est la police nationale haïtienne qui nous demande un certain nombre de véhicules, qu'ils soient des véhicules de motocyclettes ou des véhicules automobiles, et nous les donnons dans le cadre de notre coopération. Mais je voudrais quand même revenir sur le point central, parce que je crois qu'à chaque problème, il y a chaque solution ou chaque initiative de notre part répond à un diagnostic. Mm-hmm. Quel est notre diagnostic ? Et je me permets d'insister là-dessus, parce que j'entends beaucoup de commentaires qui ne partagent pas ce diagnostic. Moi, je vais vous dire quel est notre diagnostic. Notre diagnostic, c'est que la PNH, aujourd'hui, souffre d'un problème capacitaire. Mmh. Elle n'est tout simplement pas assez nombreuse et pas assez équipée pour faire face aux crimes organisés, aux gangsters et à l'ensemble des troubles à l'ordre public ici en Haïti et en particulier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Mmh. Cette analyse, qui est un problème capacitaire, nous l'avons basée, nous le basons sur des éléments qui sont objectifs, des éléments chiffrés. Ces éléments chiffrés, quels sont-ils ? Moi, je me base par exemple sur ce qu'a dit la représentante spéciale des Nations Unies, Madame Salvador, au dernier Conseil de sécurité, qui nous explique qu'il y a 13 000 policiers sur l'ensemble du pays. Mais ça, c'est un effectif théorique, parce que ce sont les 13 000 policiers qui sont payés par le ministère des Finances. Mmh. Et en fait, il y en a 9 000. Donc déjà, il y a un écart entre les policiers effectifs, qui font des tâches policières, et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser les questions pour savoir pourquoi il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9 000. Ce chiffre de 9 000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1 000 habitants. Mmh. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international ? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Mmh. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme ? Quel est le chiffre en République dominicaine ? 3,1. Quel est le chiffre en Jamaïque ? 3,7. Donc nous sommes dans une situation où en Haïti, il y a 4 à 5 fois moins de policiers par habitant qu'en République dominicaine ou en Jamaïque. Donc les raisons de l'insécurité, elles sont là, elles sont fondamentalement là. Et ça nécessite quoi ? Ça nécessite un effort de tous pour refinancer. Vous savez, il y a un débat actuellement aux États-Unis sur le defunding de la police, des forces de sécurité. Le defunding, il est à Haïti et il est à Haïti depuis longtemps. Depuis longtemps, les Haïtiens ne payent pas assez pour leur sécurité.
Tous collectivement. Ce n'est pas la faute de tel ou tel. Je ne jette pas la pierre sur tel ou tel. C'est aussi la faute de la communauté internationale. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Nous avons arrêté notre coopération avec la police pendant des années parce que nous pensions que les choses étaient réglées. Nous pensions que la MINUSTA, nous pensions que les efforts nationaux avaient réglé le problème. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous nous réinvestissons dans cette affaire, nous réinvestissons ce dossier, nous le réinvestissons avec des moyens qui sont croissants. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que nous aimerions donner plus que 17 motos? Oui, et nous allons le faire. Maintenant, parlons justement des véhicules attendus. Il y aura des blindés aussi, non? Nous n'avons pas eu de demande de blindés de la part de la PNH. Ok, donc on aura des voitures de police. Oui, il y aura des voitures de police. Nous allons continuer à investir en matière énergétique dans le domaine des génératrices parce qu'il y a un énorme déficit énergétique. On espère qu'on ait des voitures. Là, nous allons faire un don d'une quinzaine de voitures supplémentaires dans quelques semaines que nous allons annoncer. Et nous allons continuer cette... Moi, ce que je veux vous dire simplement, c'est que nous avons augmenté notre effort en matière de police de 10 fois par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière. Voilà. Et si nous dépensons notre argent rapidement, si nous arrivons à fournir ce que nous nous sommes engagés à fournir rapidement, eh bien, nous en aurons plus l'année prochaine. Voilà. Je présume, monsieur l'ambassadeur, que cette demande s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les gangs, contre l'insécurité. Est-ce que le gouvernement n'a pas demandé des armes, n'a pas demandé des munitions? Sinon, pourquoi? C'est-à-dire, non, je ne dis pas que le gouvernement ne souhaite pas avoir plus d'armes et de munitions. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses dans le cadre de ce point de coopération que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Là, en ce qui concerne cet argent, ce budget que nous avons, c'est un budget qui vient du ministère des Affaires étrangères, c'est un budget de coopération, et donc nous ne pouvons pas, sur ce budget, acheter des armes et des munitions. Mais ça ne veut pas dire que la police haïtienne soit dans l'incapacité de le faire par elle-même. Après, si vous voulez, ce que nous allons fournir, ce sera autant d'argent qui pourra être consacré à l'achat d'armes et de munitions. Ça, c'est à la police nationale haïtienne de faire les arbitrages budgétaires qui lui conviendront pour acheter des équipements létaux. Mais encore une fois, et je reviens sur la question parce que je crois que je ne suis pas encore assez clair. Et votre question montre que je ne suis pas assez clair, donc je vais réexpliquer. Même si c'est clair pour moi, monsieur l'ambassadeur, mais ça doit être clair pour le public aussi. Vous pourrez donner 1000 fusils ou 1000 fusils mitrailleurs à la police. Si vous n'avez qu'un seul policier pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc, voilà, la question, le problème d'effectif se pose. C'est une question, oui, bien sûr, c'est la question fondamentale. C'est parce que depuis des années, je dirais même peut-être depuis des décennies, depuis que la police existe, la police est sous-équipée par rapport aux besoins du pays. Et ça, On vous dira que la PNH est jeune. Elle est jeune, elle a 30 ans. Avant, il y avait les forces armées. Donc, la police, elle est jeune, oui, bien sûr, mais le taux de pression fiscale aussi en Haïti, il est faible. Il est faible. Encore une fois, vous me dites, c'est d'ailleurs assez significatif, les Haïtiens aisés pourraient acheter 17 motos à la police. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Le problème, c'est qu'au contraire, ils louent les policiers pour leur sécurité privée. Nous, ce n'est pas notre conception de l'ordre public et de la sécurité publique. C'est une politique publique que nous voulons promouvoir ici en Haïti. Pas la sécurité pour les happy few, pas la sécurité pour certains, pour surveiller leur partie de tennis, par exemple. Non, ça, ce n'est pas notre politique. Notre politique, c'est que nous voulons reconstruire un État ici en Haïti. Nous voulons aider Haïti à reconstruire un État. Ça passe par des politiques publiques, ça passe par de l'aide, ça passe par des dons. Mais ça passe aussi par un effort haïtien pour prélever davantage l'impôt et pour financer prioritairement la sécurité publique dans ce pays. Et je reconnais et j'en suis très, très heureux qu'il y a eu un effort ces dernières années. Et là aussi, là, moi, je me base sur des chiffres. Je crois qu'il faut se baser souvent sur les chiffres, sur les éléments objectifs avant de faire des commentaires. Je me base sur les chiffres et... Si on regarde les dotations budgétaires qui ont été faites
par le gouvernement haïtien ces dernières années, eh bien, il y a un effort budgétaire significatif, très significatif. On est passé en 2020 de 11 milliards de gourdes pour la police à aujourd'hui 24. Mm-hmm. Voilà. Donc en gourdes, c'est multiplié par 2,5. Si on ramène ça en dollars, je tiens compte de l'objection que vous allez me faire. Entre-temps, la gourde s'est dépréciée, mais même si on rajoute ça, même si on convertit ça en dollars, il y a un effort significatif d'environ plus 50% en 3 ans. Mmh. Est-ce que c'est suffisant? Non. Parce que même avec l'effort actuel, nous sommes très largement en dessous des standards régionaux et internationaux. Mais c'est quand même un effort et je le salue. Et je crois qu'il faut qu'il continue. Monsieur l'ambassadeur, la dernière fois que vous avez participé à l'émission, vous avez fait état de formation de la police nationale par des experts français. Aujourd'hui, où est-ce que l'on en est? On va continuer cet effort. Effectivement, l'année dernière, nous avions essentiellement consacré notre coopération à l'effort de formation. Et je crois que nous avons été parmi les seuls, avec peut-être nos partenaires américains, avec lesquels nous sommes en étroite coopération et en étroite coordination sur ce dossier, nous avons été les seuls à faire venir ici des experts, des policiers, sur le territoire haïtien. J'insiste bien sur cette question, sur le territoire haïtien, pour former leurs camarades haïtiens. Nous avons fait venir notamment des experts du RAID, de la police nationale, qui sont des experts en matière de lutte antiterroriste, en matière de guérilla urbaine, en matière de technique d'intervention. Et donc c'est ce que nous avons fait. Notre effort a porté pour l'essentiel sur la formation des unités qui vont se battre contre les gangs. Nous pensons, parce que c'est ce qu'attendent les Haïtiens, c'est ce qu'ils nous demandent, c'est d'avoir des résultats, des résultats pour tenir en respect et demain surmonter, combattre et défaire les gangs. Et donc nous donnons la priorité en termes de formation aux unités qui vont s'occuper de ce problème. Donc le SWAT, la BRI, le BLTS, les unités d'élite de la police que nous essayons de former à ces techniques d'intervention. Nous allons continuer cet effort cette année, nul doute. Ce n'est pas un effort que je peux annoncer, ce n'est pas un effort que je peux médiatiser, c'est un effort à bas bruit qui s'est fait depuis un an. Moi, j'observe que sur certains théâtres, il y a eu des résultats. Il y a eu des résultats, je suis consterné. Et vous êtes satisfait Non, je ne suis pas satisfait parce que ce qui s'est passé hier à Source Matelas, cette tragédie, la perte de ces deux blindés, la mort de ce policier, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Évidemment, je suis absolument bouleversé par cette nouvelle. C'est un grave échec, mais il faut, ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer. Il faut continuer et ça veut dire simplement aux partenaires internationaux, ça envoie le message aux partenaires internationaux qu'il faut faire davantage. Et moi, j'appelle tous mes collègues, tous les partenaires internationaux d'Haïti à réinvestir le sujet de la sécurité parce que c'est le sujet majeur. Est-ce que la formation a duré combien de temps? Un mois, trois mois Non, les stages de formation sont des stages qui en général durent 15 jours pour un petit nombre de policiers. Vous ne pouvez pas, c'est faux de dire que vous pouvez former 500, 600, 700 policiers comme ça, de but en blanc, sans avoir les ressources humaines, sans avoir les ressources pour les équiper, pour les armer, pour les payer. Vous ne pouvez pas. La police nationale haïtienne n'a pas cette capacité de délivrer. Parce que c'est une petite police, c'est une jeune police, comme vous l'avez dit, c'est une police sous-financée. Et donc, nous devons nous adapter aux capacités d'absorption de cette police. Donc, les experts viennent en général pour des périodes de 15 jours. Elles forment une vingtaine, 25, 30 au maximum cadets. Enfin, ce ne sont pas des cadets d'ailleurs, ce sont des policiers expérimentés qui sont prélevés d'autres unités et qui sont formés aux techniques d'intervention contre les gangs, qui sont des techniques extrêmement précises, extrêmement pointues et qui permettent aux policiers non seulement d'être efficaces, mais surtout de revenir, et surtout de revenir vivant. Parce que je peux vous dire que ce n'est pas une partie de plaisir. Et moi, je tire mon chapeau aux policiers qui vont au feu,
hein, qui vont au feu et qui risquent leur vie, comme nous l'avons vu hier, et qui parfois la perdent. Est-ce que vous seriez pour une enquête qui déterminerait les circonstances entourant ce drame à Sauce-Matelas? Si oui, est-ce que, par exemple, vos experts ne pourraient pas, à la limite, accompagner les enquêteurs haïtiens? Non, moi je demande pas d'enquête. Moi, je demande surtout un retour d'expérience. Ça veut dire? Je demande un retour d'expérience. Je demande à ce que il y ait de la part de la police une étude pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché et pourquoi il y a eu cet échec. C'est tout. Un expert français, nous en avons un. Il y a un expert français. Ça fait partie de notre coopération. Il y a un expert français qui est affecté à la police nationale haïtienne et qui s'y rend tous les jours et qui est le conseil du DGPNH, voilà, comme il y a un conseil américain. Voilà. Donc nous avons un expert et je suis sûr que l'état-major de la PNH fournira à notre expert les éléments d'information qui expliqueront cet échec qui est intervenu hier. Avant de vous fermer, monsieur l'ambassadeur, cette première partie de l'émission, je m'en voudrais de ne pas vous demander votre opinion par rapport à ce qui se passe dans le pays ces derniers jours, le fameux mouvement BECAP, vous avez peut-être entendu parler. Absolument. Et aussi ce qui s'est passé en face du commissariat et du canapé vert, et la population qui s'est réveillée un beau petit matin et qui veut... Qui paraît même déterminé à dire non au grand banditisme et qui se mêle de la partie. Est-ce que l'ambassade de France qui accompagne, ou encore la France qui accompagne Haïti dans la lutte contre l'insécurité, a un mot à dire par rapport à cette situation aujourd'hui? Bien sûr. Non, moi je comprends parfaitement les réactions. Je comprends parfaitement les réactions de la population. Je comprends parfaitement l'exaspération, la peur, l'angoisse de la population. Je la comprends parfaitement parce que, évidemment, ce qui se passe depuis maintenant des mois, ce pic d'insécurité que connaît le pays, c'est intolérable. C'est intolérable et c'est parfaitement condamnable. Tous les rapports qui ont été faits par les organisations des droits de l'homme sur les différents massacres qui ont eu lieu ces derniers mois dans les quartiers, c'est parfaitement condamnable. Et nous l'avons condamné. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous coopérons avec la police pour combattre les gangs qui sont les auteurs de ces crimes abjects. Et donc je comprends la réaction de la population. Mais moi, ce que je dis aussi, c'est que la réponse, elle doit être républicaine. La réponse à ces crimes, elle doit être républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut qu'en définitive, la loi et la constitution haïtienne soient respectées. Et ça veut donc dire qu'il faut qu'il y ait une bonne articulation entre la police et la justice. La raison pour laquelle nous avons ces phénomènes, c'est aussi, pas uniquement, hein, il y a l'exaspération de la population que je comprends, mais c'est aussi parce qu'il y a une mauvaise articulation entre la police et la justice. Nous avons fait un effort sur la police, mais je constate que, en ce qui concerne la justice, il y a encore beaucoup à faire. Beaucoup à faire. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais chacun les connaît, mais malheureusement, nous avons vu dans un certain nombre de cas dans le passé que cette bonne articulation entre la police et la justice, elle n'existait pas. Où elle était, disons, perfectible, pour parler diplomatiquement. Et donc, nous appelons à une bonne articulation entre la police et la justice pour faire en sorte que cette réponse à l'insécurité, elle soit conforme à la loi. Que pensez-vous de l'exemple du Salvador dans la lutte contre les gangs armés? Moi, je ne suis pas ambassadeur au Salvador. Votre opinion, monsieur l'ambassadeur? Je ne suis pas ambassadeur au Salvador. Moi, ce que j'observe, c'est qu'au Salvador, il y a des opinions qui sont variées sur les performances qui ont été obtenues par le pouvoir salvadorien dans ce qui concerne la lutte contre les gangs. Il y a des analyses qui sont variées. Il y a des personnalités qui nous expliquent que il y a eu des grands succès, un grand succès qui a été fait, et puis il y en a d'autres qui nous expliquent que ce succès est un petit peu en trompe-l'œil. Moi, je ne sais pas, parce que je ne suis pas sur place, je ne peux pas trancher. Je ne peux pas trancher. Moi, ce que j'observe simplement, c'est qu'au Salvador, il semble qu'il y ait une priorité budgétaire, une priorité opérationnelle, une priorité en termes d'efficacité accordée à la police. Et moi, c'est ce que je demande pour Haïti. J'ai pas apporté les chiffres que je vous ai cités tout à l'heure sur le Salvador. Moi, je vous ai apporté les chiffres sur la Jamaïque. Oui. Voilà. La Jamaïque, c'est pas un pays très loin d'Haïti.
C'est un pays aussi qui a eu énormément de problèmes d'insécurité dans le passé. Notamment dans les années 70, on disait que c'était l'homme malade des Caraïbes. Vous vous souvenez? Eh bien, aujourd'hui, en Jamaïque, tous les problèmes n'ont pas été réglés, bien entendu. Mais il y a un certain nombre d'accomplissements en matière de sécurité publique qui ont été effectués. Donc, je crois que c'est tout à fait possible. Vous n'allez pas me dire, monsieur l'ambassadeur, que vous n'êtes pas ambassadeur de la France en Ukraine ou bien ambassadeur de l'Ukraine, si je vous pose une question aussi sur l'Ukraine. On peut parler de l'Ukraine si vous le voulez, bien qu'il n'y ait pas grand-chose à ajouter par rapport à la position française que vous connaissez. C'est par rapport à ce que vous venez de dire quand je vous ai posé la question sur l'exemple salvadorien. Non, mais vous savez, en ce qui concerne l'Ukraine, il y a deux manières d'envisager le problème. Je peux vous parler du conflit ukrainien aujourd'hui, mais je ne vous apprendrai rien que vous ne connaissiez déjà ou que connaissent déjà les auditeurs sur la position de la France, qui reste une position de soutien au peuple ukrainien et à l'État ukrainien pour lutter contre une guerre d'agression impérialiste. Mm-hmm. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et donc nous aidons l'Ukraine à exercer son droit à la légitime défense. Dans un mécanisme d'agression, l'agressé a le droit de se défendre et nous sommes en train de l'aider à se défendre. Voilà, à se défendre. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a le deuxième aspect qui est les commentaires que j'entends, et notamment ça faisait partie de la polémique que vous avez abordée en notre début d'entretien sur les motos. On me dit. Vous faites beaucoup sur l'Ukraine, vous faites peu sur Haïti. Mais moi, je fais observer, c'est possible, hein. Encore une fois, est-ce que nous sommes suffisants, est-ce que nous avons fait suffisamment de choses vis-à-vis d'Haïti? Non. Moi, j'aimerais que nous fassions plus. Et je me bats tous les jours pour que nous fassions plus. Simplement, j'observe que nous faisons chaque année beaucoup plus que l'année précédente et j'espère que ça va continuer. Ouais, mais en revanche, il n'y a pas de comparaison du tout, monsieur l'ambassadeur, entre l'aide française à l'Ukraine et l'aide française à Haïti. Vous n'êtes pas le seul en tant que pays occidental. C'est pareil aussi pour les Américains. Américains, nous sommes à moins de 2 heures de leur pays. Mais parce que les situations ne sont pas les mêmes. Parce que la guerre en Ukraine n'est pas la même chose que le problème des gangs en Haïti. En Ukraine, comme je vous le disais, nous avons un pays qui a été attaqué par un autre pays qui est supérieur en capacité, supérieur en nombre, qui dispose des armements les plus sophistiqués, les plus lourds, et qui n'hésite pas à s'en servir. Bon, ça c'est la situation en Ukraine vis-à-vis de la Russie. Ça veut dire si on était attaqué par un pays qui n'est pas trop ami de la France, des États-Unis, l'aide étrangère sera beaucoup plus significative. Non, mais attendez. Ici, en Haïti, il n'y a pas une agression par un voisin qui est supérieur en capacité ou en nombre et qui vous menace d'armements les plus sophistiqués. Mm-hmm. Nous sommes en présence de gangs qui sont composés d'Haïtiens. Donc, ce sont des problèmes qui sont des problèmes haïtiens, extrêmement complexes d'ailleurs, parce que la naissance de cette situation, on pourra en discuter à l'infini. Je crois que nous n'avons pas aujourd'hui le temps pour en discuter. Nous nous concentrons sur les remèdes, sur le diagnostic et sur le remède. Mais la situation, objectivement, n'est pas la même. J'entends effectivement sur les réseaux sociaux des gens me dire « Pourquoi vous ne donnez pas des chars d'assaut ou des hélicoptères de combat ?» Mais attendez, comment peut-on penser que des chars d'assaut ou des hélicoptères de combat permettront de venir à bout des gangs? Comment peut-on le penser? Comment peut-on penser sérieusement, que la réponse est là? À supposer même que ce soit faisable et possible, à supposer qu'il y ait des pilotes d'hélicoptères de combat disponibles en Haïti, à supposer qu'il y ait une industrie de maintenance pour maintenir en état ces équipements. Mais même à supposer ça, de sa faisabilité, quelles seront les conséquences collatérales? Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la même question aussi pour l'Ukraine, monsieur l'ambassadeur? Absolument pas. On peut aussi se dire, qui vous dit que l'aide internationale, l'aide occidentale, par exemple, à la Russie, à l'Ukraine, va apporter les résultats escomptés? Ah ben, elle les a déjà apportés. Mais ça traîne en longueur jusqu'à présent. La guerre continue, monsieur l'ambassadeur. Bien sûr, la guerre continue. Mais l'objectif de l'Occident n'était pas de défaire
la Russie. L'objectif de l'Occident était d'empêcher que l'Ukraine soit envahie, de lui permettre à l'Ukraine de se défendre. Et c'est ce qu'elle a fait. Mmh. Et c'est ce qu'elle fait toujours, héroïquement. Héroïquement. Mmh. Donc, je reviens à mon raisonnement sur la comparaison entre les deux théâtres. Je crois qu'il faut... Le problème auquel Haïti est confronté est un problème de maintien de l'ordre public. C'est un problème de récupération du monopole de la violence légitime par la police. Mmh. La police haïtienne, l'État haïtien a perdu ce monopole. Il faut que l'État et la police le récupèrent. Mmh. C'est tout. C'est tout, mais c'est beaucoup. Mmh. C'est beaucoup. Et ça prendra du temps. Mmh. Simplement, il n'y a pas d'autres options que de travailler avec la police, avec éventuellement les forces armées d'Haïti, mais en tout cas avec tout ce qui concerne le maintien de la sécurité publique en Haïti, pour faire en sorte que demain, ces forces de sécurité puissent l'emporter. Mm-hmm. Un dernier commentaire, mm-hmm. Wendel, si vous permettez. Mm-hmm. Moi, je suis frappé d'une chose aussi, c'est que ceux qui nous critiquent, parce que nous donnons insuffisamment. Ce sont aussi les mêmes qui refusent, souvent les mêmes qui refusent une force internationale. Il y aura un autre moyen d'obtenir des résultats rapides contre les gangs. C'est d'avoir une force internationale. Mais jusqu'à présent, ça fait longtemps déjà que le gouvernement haïtien se dit demandeur, monsieur l'ambassadeur. Oui, le gouvernement haïtien bien seul qui demande une force internationale. Moi, j'observe que beaucoup de forces politiques haïtiennes sont opposées à cette force internationale. Même si les Haïtiens sont fatigués, même avec la terreur des gangs. Écoutez, moi, j'écoute ce que disent les représentants politiques haïtiens. Et les représentants politiques haïtiens, sauf à ce que vous me donniez un scoop, et vous me disiez que les choses ont changé, mais les représentants politiques haïtiens sont pratiquement, dans leur quasi-unanimité, opposés à cette force internationale. Pour des raisons que je peux comprendre. Mmh. Mais simplement... À partir du moment où on fait ce constat que la force internationale ne requiert pas le consensus ou n'atteint pas le consensus haïtien pour pouvoir être déployée, à ce moment-là, moi, j'en tire la conclusion que je n'ai pas d'autre option que de coopérer avec la police nationale haïtienne pour que, de manière républicaine, elle puisse récupérer le monopole de la violence. Si Haïti obtient ce consensus, monsieur l'ambassadeur, est-ce que la France sera aux côtés des autres pays? Mais la France a annoncé déjà qu'elle soutiendrait. La France a dit de manière répétée qu'elle soutenait le principe d'une force internationale et que les modalités de sa participation se poseront le jour où cette force internationale seront fixées. Pour l'instant, nous ne savons pas quelles sont les modalités de cette force internationale. Mais il est évident que de la part des pays potentiellement candidats ou des pays qui pourraient potentiellement participer à cette force internationale, le fait que l'immense majorité de la classe politique haïtienne y soit opposée, est un facteur bloquant. C'est la seule pierre d'achoppement, selon vous? Non, ce n'est pas la seule pierre d'achoppement. Il y a eu d'autres pierres d'achoppement, il y a d'autres obstacles. La complexité de la situation ici, c'est aussi un motif d'interrogation. Les questions sur le mandat aussi, c'est une question qui n'est pas encore résolue. Le mandat de la force? Le mandat de la force. Mmh. Que viendrait faire cette force? Est-ce qu'elle serait limitée? Aider à neutraliser les gangs? Oui, c'est un mandat qui est bien vague. Combien de temps? Quelle ampleur? Non, mais on le fera comme on l'avait fait par le passé, monsieur l'ambassadeur. Mais j'entends aussi beaucoup dire qu'il faut éviter les erreurs du passé. C'est ce que nous essayons de faire en tâtonnant. Et quelquefois, nous nous trompons. Mais nous essayons de voir clair, et de nous appuyer surtout sur des éléments qui sont objectifs. Et c'était le sens de mon intervention aujourd'hui, c'était le sens de mon entretien aujourd'hui. Oui. Appuyons-nous sur des éléments objectifs, sur des chiffres, sur des données qui sont vérifiables et tirons-en les enseignements, disons, les raisonnables. Pourquoi selon vous? Voilà, là nous sommes gardés avec moi. Interview et ambassadeur français à Fabrice Moriès avec Wendel Théodore. Dans l'émission jeudi à là, nous t'avons trois points qui sont extrêmement importants. Nous t'avons et ensemble des formations qui a circulé, qui t'a fait croire que l'ancien premier ministre Claude Joseph Vizal t'a coupé. Nous parlons sous ça, nous faisons lumière sous ça et nous avons le dernier update qui gagne dans le dossier que
Claude Joseph était arrivé à New York, c'est pas en question de département d'État américain qui coupe visa li, pas gè ça, etc., etc. Deuxième point, il concernait et Moïse Jean-Charles, parti politique Petit Dessaline, côté que un pile militant de série de monde qui était dans dos et Moïse Jean-Charles, dans moment là, il a planifié pour yo tabay Moïse Jean-Charles en bois calé politique pour yo ta quitter le pour coller avec parti politique là parce que yo estimé Moïse Jean-Charles, li c'est en traite Moïse Jean-Charles, li ba yo kou nan do Moïse Jean-Charles, ça son véritable problème dans question politique en Haïti. Et nous te fini avec question et diplomatie côté gagner administration Biden nan, qui fait choix qui nommé Denis Hankins comme ambassadeur en Haïti. Denis Hankins qui gagne 38 ans d'expérience, qui passe dans plusieurs pays déjà, tant qu'au Soudan, tant qu'au Mali, tant qu'au Guinée, tant qu'au Congo, tant qu'au Mauritanie, Portugal, côté l'État mené politique étrangère américaine. Nan. Et qui ça nous a attendu, je ne j'en dis avec yon pareille nomination, parce que nous connaissons Denis Hankins, li travaille dans gros terrain, sous gros chantier des pays, tant que Mali, Soudan, c'est pas jouette. Eh bien, journée jodi, la vie en Haïti, un pays qui est en proie de violence, un pays qui a une stabilité politique continue, permanente, yon pays côté ces gangs, ces bandits, cap diriger, cap terroriser population chaque jour, dans déranger autorité, occupation, faire rien, qui ça nous ka attend avec nomination nouveau diplomate américain, ça, en Haïti. Et vous saute gardé là, et interview ça qui était réalisé avec Fabrice Moriès qui t'a parlé sous situation PNH. Et c'était un véritable saisissement pour moi-même le matin de que PNH en un moment là non budget yo pas gon budget qui car répond avec besoin PNH mais plutôt obligé chaque jour bon Dieu mettez à plonger cuyo by l'autre pays. On va aller pour finir et pour me rappeler au projet fête des mères là. Eh bien dimanche rap bien pour venir là, dimanche 28 mai, c'est jour ça projet à la réaliser. Objectif là c'est river supporter sans femme, river aider sans femme qui nous en situation vulnérable, sans monde qui n'a besoin, qui n'a nécessité. Mais occasion fête des mères là en Haïti, c'est occasion pour nous montrer que yo important pour nous en tant que maman, en tant que femme, yo important pour nous. Nous apprécier tout effort yo qu'on fait pour faire éducation ti moun, tout sacrifice qu'on fait dans la rue, dans marché et à chercher la vie pour tenir Kayla, 2-3 timoun, 4 timoun sous bras, yo sans papa en pile fois, yo toujours là. Donc, 28 mai en son occasion pour nous montrer que yo important, avec le peu que nous gagnons, avec le peu que nous avons offert, yo n'a fait li. Donc, ou même qui voulait supporter Inisa, c'est vrai, qui voulait supporter projet à Maptano, relève mes crimes dans le numéro émission 38-96, 38-19 pour Diani, mais comment m'a supporter, mais combien maman m'a supporté, etc. Ça fait en pile plaisir. Et déjà, m'a profité remercier chaque grand ami qui supporte déjà, chaque grand ami qui te promet, qui respecte promesse, qui respecte et engagement, yo te prend vis-à-vis projet pour yo aider nous, pour yo contribuer. Et ou même qui promet, qui poko, et qui m'poko wom, m'poko tando, Maptano. Maptan nous réagit et au même qui veut supporter qui veut contribuer Maptan nous tout 38-96 38-19 c'est dans le numéro ça WAP joignez moi. Merci à au même qui t'a regardé l'émission qui t'a suivre nous. Rendez-vous à le casser demain pour une autre émission, pas manquer émission sous aucun prétexte. Si vous abonné, m'a invité à abonner à channel là, activer la cloche notification et comme ça ou pas rater aucune vidéo n'a gagné pour nous poster. Merci tout le monde, à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, et bien, on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial vous dit tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, c'est espace analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui a dominé le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le lundi pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, monsieur Chanel Paul là pour qu'elle bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous prenons la vallée, nous prenons le débat.